Salut à tous, c'est Psychosphère sur Mobile en sens tout pour un épisode du Expression Xenoblade Chronicle 2. Donc, la dernière fois, on avait déjà vu cette cinématique-là, donc on va la skipper. Donc, on doit affronter Jin. Jin qui nous demande de le combattre. Et Rex avait une réponse à lui dire. C'est parti. Je me rappelle ce combat. Il m'a fait galérer avant. Bon, ça, j'avais déjà dit. Mais pour une raison. Ben avant, je maîtrisais pas encore la transformation pneumo. J'avais jamais équipé mes affaires, j'ai jamais amélioré mes choses. Aucun équipement à moitié. Et mes attaques spéciales, mes orbes, je les avais même pas améliorées. Et les combos de pilote, je les maîtrisais pas. Wow. Et disons, dans mon équipe, j'utilisais pas Mitra, j'utilisais Nio. Ouais. Thug Life. Et surtout, il fait beaucoup d'attaques, Jin. Et surtout, il esquive quand même bien les attaques. Alors, surtout ça, j'haïs les rondelles perdues. Il fait perdre du temps. Faire charger mon arc spécial. Perdu. Perturbation divine. C'est bon, il l'a pas fait. Je pense qu'on a réussi à l'annuler. Ah non! Ben voilà, on a pas été rapide, voilà, on est obligé de recommencer quelque chose. En tout cas, on va faire chaleur. Là, Nio, faudrait qu'elle fasse bombe de vapeur et. Ou qu'elle fasse une brûlure. Si. Ah ça, ok, bombe de vapeur. Attends, je vais changer en Pyra. Je fais explosion de vapeur. Explosion de vapeur, ça. Yup. Bam! Super. Ok. Du coup, je vais essayer peut-être de lui remettre un orbe de plus. Ah non, je vais le faire photon. Ok, un orbe spécial, c'est bon, ça compte pas pour toucher. Bah, si c'est une attaque qui attaque à distance, normalement, je pense que ça compte pas pour toucher. Ah, il faudra au moins qu'il fasse foudroiement, après je me change en pneuma. Que moi je fais rayon gamma. Je me change en pneuma. Vu que en pneuma ça met direct niveau 3 pour l'an spécial. Allez. Voilà. Et je me change. Et je fais supernova. Je pense que la première fois que je fais un combo avec pneuma. Bah non, je pense que je l'ai déjà fait en vidéo. Bah je sais plus. Je l'ai fait en vidéo ou je l'ai pas fait en vidéo? Ah non! J'aurais tellement voulu faire un enchaînement! Mais non, on peut pas! Il est mort avant! Putain, Jin! Putain, t'es fait! Non! Je voulais faire un enchaînement, ça serait cool, drôle! On parlera bien à notre boss après, donc du coup. Lui, on va pouvoir lui poser des enchaînements. Je vais monter le son parce que j'ai l'impression que le son est trop fort. Ouais. Ouais, moi je suis le genre de mec qui monte le volume en pleine vidéo. C'est vrai, ça c'est en style ce qu'on veut. Ouais, j'avais sorti l'épisode 46, je n'ai même pas mis de titre au moment où je filme la vidéo. Probablement quand je serai en ligne, peut-être qu'il y aura un titre, je sais pas, faudrait juste que je revise la vidéo pour au moins donner un titre. Parce que, bah, chaque fois que je sors un épisode dans l'explay, bah, j'essaie au moins de mettre quelque chose, un titre en rapport avec ce qui s'est passé dans la vidéo, comme. Comme exemple, l'Arbre Mon, récemment, pour dire comme, voilà. Putain, la gorge. Genre voilà. On arrive à l'arbre moment, voilà. Enfin, j'espère que ma gorge va rester
Bah pas trop fucké parce que là j'ai. Disons aujourd'hui c'est pas juste une vidéo que je dois faire. Mais voilà, ouais, mais... j'ai comme l'impression qu'ils n'ont pas pris le même chemin que nous, parce que là, il y avait dans une cinématique, on voyait qu'ils prenaient un chemin semblable au nôtre, mais ils arrivent vraiment de l'autre côté, là. Je pense qu'on regarde les cristal cœur des autres. Mon cher, c'est genre, c'est en bleu et rouge, mais lui, Jin est complètement rouge. Ah, j'ai peut-être compris la différence vu que les autres, c'est genre les manches chères ont été faites, genre, probablement avec des expériences scientifiques, comme ouais, les piqûres, tout ça. Tandis que Jin, lui, bah, on l'avait vu dans un flashback, il l'avait. Lui, il l'a tué de ses propres mains, son pilote. Bah, genre, il a pris ses organes, bah, son cœur, comme ça. Là, je dois voir Mathieu, c'est stylé comme ça. Par contre, je me demande toujours comment il a fait pour se transformer comme ça. Si en prenant l'énergie de tous les cristal cœur ou une invention scientifique. J'ai toujours pas compris comment il se transforme comme ça. Comment il est devenu comme ça. Ah, ça c'est cristal cœur. Ah merde, j'ai pas été voir si je pouvais avoir Mikael. Eh ouais, c'est pour ça. Malo, c'est méchant à cause de lui, fils de pute.
Et voilà, Patroka meurt. Putain. Ah ouais, toi, vu que c'est des démons chers, bah, ils peuvent pas revenir en Crystal Cœur, vu qu'ils sont moitié humains. Moitié humain, moitié lame, donc. Vu qu'ils ont la moitié humain, ils peuvent pas devenir Crystal Cœur. Ah ouais, cette cinématique, ce flashback. Quoi, c'est Patroka? D'accord, donc du coup, ils s'en mangent cher, mais ils ont genre l'ADN comme de leur pilote. Je suis un peu fatigué. Putain, il est stylé Rex comme ça. Avec les deux épées, comme l'épée de Pneuma et de Nia. Vu que normalement, donc si t'as pas. Si on a Pyra et Nia, donc ça marche pas avec Mitra, ça marche juste si, avec Pyra et Nia. C'est genre l'attaque. L'or spécial niveau 4 de Pyra et Nia va être changé s'ils sont les deux équipés. Ouais, on doit se battre pour ton là, let's go. Mais là, vous regardez la cinématique, moi je suis là, non, je bon, fréquence entre vos jeux.
pour vous, pour à cause, à cause. Ah, je veux dire à cause. Ouais. Un mix de français et anglais. À cause. À cause. Mais le truc que je voudrais savoir, c'est... on sait comment Nia a rejoint ton nom, on sait comment Akos et Patroka ont rejoint ton nom, on sait comment Jin a rejoint ton nom. Mais le truc, on sait pas comment Mikhail a rejoint ton nom. C'est-tu qui a retrouvé Jin et... comme ça? Bon, par contre, je sais pas si j'ai le temps de faire le buzz en vidéo. Ça sera peut-être que. Je sais pas, peut-être ça va peut-être couper, je sais pas. Hey! Bon, Abidiva. La musique est vraiment épique. La tête d'Amathius a l'air plus petite en genre le combo. Allez, photon. Bayon. Bon, 1000 tentacules. Merci. Wow, wow, wow. Attends, je vais pas spawner une fiole. Attends, je vais attendre un petit peu avant de faire foudroiement avec Nia. Non, attends, je vais faire... ouais. Pour être sûr de pas me bloquer. Supernova. Allez, temps désastreux. Le drone marche. Le pire, cette attaque, je pense, elle fait spawner une fiole, je pense. Hein. Elle fait spawner des fioles. Ah non? Il me semblait, elle fait... Ah ouais, elle fait spawner des fioles. Ah non, merde! Non, je l'ai pas... Putain, je vais changer pour Pyra. Pour faire l'attaque de fioles. Mais bon. Du coup, je vais faire rush. Ah ouais, tempête volcanique, ça serait cool. Ouais, franchement, Nia, c'est vrai que si t'arrives à placer ça, ça serait cool. Ok, finalement, ça va peut-être être moi qui va le placer. Hein. Finalement. Allez, tempête volcanique. Et... Bon, de toute façon, je pense avec un enchaînement, je pense qu'on devrait pouvoir le tuer. Allez. Par contre, quand on est en forme de pneuma, ouais, en forme de pneuma, on peut pas changer. Oh non, dis-moi pas qu'il a fait un truc comme de bouclier là. Ah non, ça c'est bullshit. Et on va faire Adenine. Putain, il fait même pas de dégâts là. Même pneuma, on n'a pas fait. Brigitte pour moi casser lui de type O. Allez. Ok, c'est bon, ça fait des dégâts. Annihilation complète. Du coup, on va juste faire lui de remarche. Lui. Bah on va n'importe qui, de toute façon il est mort. On va faire briger. Hop. Ah finalement juste un orbe depuis le début ça aurait été bon. Voilà. Allez pour changer on va faire Korra, on n'utilise presque jamais Korra. Bah la paillasse c'est actif que ça quoi. Et Jeanne aussi, hein. Et Jeanne serait cool de le voir.
Ah. Et voilà, on a battu Amaltus. Mon chat qui miaule. Je sais pas si on va pouvoir voir toute la cinématique dans cette vidéo, donc ça coupe. Ouais. Parce que j'ai déjà deux épisodes déjà sur mon téléphone. Bah, deux épisodes que j'avais filmé une journée avant cette vidéo et je les ai pas mis en ligne encore. Vu que le truc que j'essaie de faire, peut-être comme. J'en mets. Je mets comme un certain nombre d'épisodes. Ouais, je sais pas pourquoi, mais j'étais stressé pour rien. J'étais genre, ouais, mais faudrait pas que la vidéo dure trop longtemps vu que j'ai quelque chose à faire. Ouais, mais ça a 11h le truc que j'ai à faire, parce qu'il est juste 7h56. Du temps en masse. C'est juste quand Jin devient gentil que bah revient du côté des gentils qui sacrifie. Ça me rappelle un petit peu l'ennemi School Day. Je sais pas, School Day c'est un ennemi que j'ai écouté d'une traite, sérieux. Je sais pas comment j'ai fait, mais bon, j'avais pas de vie journée. J'ai vraiment aimé ça, faudrait que j'en parle en vidéo de cet ennemi. Ça me rappelle un peu genre le personnage principal qui est en train de. Bah qui bah au fond il fourre tout le monde et c'est juste à la fin qu'il dit bon je vais donner un homme, j'ai arrêté de faire mon fils de pute et c'est là qu'il se fait tuer. Ta Jin est vraiment puissant, hein. Imaginez s'il aurait utilisé cette puissance quand Rex et les autres. Ouais, c'est vrai. Bah, de toute façon, dans les Lamara, il y en a beaucoup. Mais bon, c'est à peu près le Rex et leur groupe quand tous les Lamara. C'est tout! Et ouais, tous les Lamara, c'est pour Rex. Les autres, allez tous se faire foutre, c'est tous des lames pourries, voilà. Mais maintenant, ce serait possible de finir le jeu avec que des lames pourries. Ce serait tellement challenge, faudrait que j'essaye un jour. Genre de finir le jeu, mais en utilisant que des lames qui est pas des lames rares. Comme en utilisant comme des lames de boss, comme une couronne, deux couronnes, trois couronnes ou quatre couronnes. Bah, des communs, quoi. Parce que bon, vu que, disons, quand je joue à Xenoblade Chronicles 2, j'utilise que des lames rares. Comme des lames qui est à la base
quand même assez puissant. Ah ouais, c'est parti. Ouais, cette scène, sérieux, même si c'est Amalthus et que c'est un fils de pute, il mérite de mourir. C'est quand même assez touchant. Genre, il revoit sa mère qui est morte et voilà. Ah, Jean. Je veux un DLC qu'on puisse avoir Jean en lame. Et Malus. Et Ace. Ou un défi auquel faut affronter Laura et les autres. Dans la Golden Country. Et ben voilà. Le dernier membre de Torno meurt. Voilà. Torno n'existe plus. Voilà. Bah, pouvons-nous vraiment compter Malus contre comme un mancheur? Bah, pas comme un mancheur, mais comme un membre de Torno, vu que il vient pas de Torna, c'est un Aegis. Et c'est pas un mancheur, c'est pas un mangelame non plus. Vu que les autres, ils étaient tous des mancheurs. Et Mikhail qui était mangelame. Ah, il nous remonte cette séquence. Ce flashback. Ben, je crois qu'il nous l'avait montré, mais genre avec la musique. Genre, pas comme ça. Là, ça nous montre vraiment comment Malus a rejoint Trigine. Mais c'est où, ça? J'arrive pas à voir, c'est quel titan. Putain, je suis con. J'allais dire, putain, je reconnais pas le titan, mais non, c'est Morardin. Avec toute cette technologie, avec toutes les usines là-bas derrière la mécanique. C'est Morardin, c'est juste Morardin comme ça. Mais le truc, c'est que si il reconnaît Jin qui était quand même son ennemi avant, pourquoi il tend la main en se présentant? Je m'appelle Malus. Je veux dire, il sait que tu t'appelles Malus, il t'a combattu. Il t'a affronté, il t'a... Chapitre 9, pluie. Et ben voilà. Et ben voilà. Comme ça, dans le prochain épisode, on se retrouve pour le dernier chapitre, le chapitre 10. Donc, ce que je vous propose, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Donc, n'oubliez pas, si vous avez aimé la vidéo, c'est un pouce juste, quand je vous ai abonné, c'est pas fait. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo et pour le chapitre final de Xenoblade Chronicles 2. Donc, et ainsi, il la rencontrera. On se retrouve pour la prochaine vidéo, et bye.